Bon, juste un petit short à YouTube pour vous montrer une de mes rivières préférées qui est quand même relativement froide, même en été. C'est la Dourbie. On adore cet endroit. C'est waouh! Elle est belle, elle est calme, mais il n'y a pas beaucoup d'eau cette année. Moi, je sais pas vous, mais moi j'aime bien la campagne. C'est pour ça que tous les ans, on passe sur ce petit terrain de camping à Nantes, dans l'Aveyron, et en général, on se donne rendez-vous avec les enfants avant qu'on reprenne la route pour plusieurs mois. Et alors, l'avantage de ce petit camping familial, c'est qu'en fait, il n'y a presque personne, quoi. Donc, c'est vraiment un endroit qu'on connaît. Ça fait des années qu'on y vient, même avant qu'on parte en voyage. On venait ici et ben en fait voilà quoi, on est peinard, c'est peu cher et c'est d'ailleurs sûrement un endroit où on finira par louer un emplacement à l'année pour y mettre une caravane quand on en aura marre de voyager. Voilà notre emplacement, on n'est pas bien là sous les arbres avec la petite rivière et derrière voilà il y a une ou deux caravanes de résidence et tout. Alors ça là-haut c'est le Roc Nantais, c'est une chouette rando à faire, on l'a déjà fait plusieurs fois, je pense qu'on va la refaire, j'avais jamais filmé donc peut-être je ferai une petite vidéo sur cette randonnée qui est vraiment super, mais elle est difficile, hein, faut pas croire. Donc nous on est là, et notre fils est là et je m'aperçois que la relève Van Life est assurée. Bon ben on vous partage un peu d'intimité, hein. Là on se fait un petit barbecue, des petites côtes de porc. Voilà donc toujours dans ce fameux petit camping, là il y a Paul bien sûr et notre fils qui est arrivé, et puis ben, nous on est quelque part là-bas au fond, on est vraiment trop bien. On n'est pas heureux là? Alors je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui, mais moi j'adore partager ces images, vous le savez, tous ces travaux des champs, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles on vient très très souvent dans ce petit camping. Et comme je l'ai déjà dit, je pense qu'on finira par y mettre une caravane dans les 2-3 ans qui viennent. Bon allez, ce matin il est tôt, on va monter, comme je vous avais prédit précédemment, au Roc Nantais. Allez, c'est parti. Bon bah, ça vient de sonner à 8h à l'église du village, et on est toujours en train de monter. Bon, on n'est pas encore en haut, mais ça va. Allez, on est presque arrivé. Alors regardez déjà la vue comme c'est beau. Ouais, on est presque arrivé. Après 45 minutes de montée, je crois qu'on arrive au point de vue qu'on avait envie de faire.
Bon alors, je vous avais pas menti, hein. C'est beau, vu de là-haut. Là en bas, on voit, non. On arrive de là. On a mis 45-50 minutes pour monter. C'est pas mal. Bon ben, on refait un barbecue, hein. On est là pour ça. Ah, c'est Florian, donc notre fils, hein, qui aujourd'hui, comme il a perdu la pétanque, ben, c'est lui qui est chargé de s'occuper du feu, du barbecue. C'est pas mal, hein. Bien, voilà les amis. C'est dans cette ambiance camping, barbecue, etc. que s'achève cette vidéo. J'ai été ravi de vous partager toutes ces images parce que des fois, quand on voyage, bah, ça fait du bien aussi de se poser dans un camping et puis de profiter du temps qui passe, profiter des aisances du camping, bien sûr. Hein. Et puis, bah, en même temps, nous, ça nous permet de voir nos enfants. Et alors, on va pas appeler ça des vacances puisque on est des nomades et on voyage à longueur d'année, mais quelque part c'est un petit goût aussi comme ça, enchanteur, de vacances, de plaisir, de rencontres avec nos enfants, etc. Puis de se laisser un peu aller, on n'a pas besoin de chercher de bivouac ni quoi que ce soit, c'est plutôt cool. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Bye bye.